Yo tout le monde, c'est Jojo, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. On se retrouve pour une vidéo vlog à la ferme, ce que j'avais pas fait depuis très longtemps. Bah en fait depuis quasiment plus d'un an, parce que j'ai créé ma chaîne en 2020, voilà, en 2020. Bah non, ça fait 2 ans, bientôt. Ça passe vite le temps. Vraiment, j'ai pas trop envie de me faire chier la vie à prendre 20 000 caméras, à faire plein de plans de coupe et tout. Même si ça me plairait, mais en vrai, c'est chiant parce que ce que je veux faire, c'est avant tout travailler et montrer un peu le quotidien à la ferme. Vous voyez, pas faire que filmer et quasiment pas travailler. Donc la majorité des plans seront faits à la GoPro. Ce sera pas super beau, mais voilà. Bon, alors là, j'espère qu'on m'entend bien parce que il y a du vent là. Il y a pas mal de vent. Mais comme je sais qu'avec cette GoPro, bah, on entend un peu mieux, le son de meilleure qualité qu'avec mon appareil photo. Et ben, j'ai décidé de la prendre, mais je sais pas si le son sera vraiment meilleur. Aujourd'hui, on va pailler des rangs de framboises parce que ma mère cultive des framboises. Et j'ai une rangée à pailler, il me semble. Et une deuxième, elle n'est pas tout à fait finie, donc je vais peut-être attendre. En tout cas, on est parti pour pailler des framboises. Alors, derrière moi, vous avez le rang de framboises qu'on va devoir pailler. J'avais déjà paillé avant, j'ai paillé les deux rangées qui sont là-bas, je sais pas si on voit super bien. Et on va devoir pailler celle-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher de la paille et le mettre dans le godet du tracteur. La paille qui sera là-bas. On va mettre le tracteur là, on va descendre le godet ou vider là, je sais pas, je verrai. J'espère vraiment que le son n'est pas trop catastrophique parce que vraiment, il y a beaucoup de vent. Si on s'en allait tout là-haut, si on prenait de la hauteur, tu verrais que le monde est beau. Si on allait chiner l'écho qui guérit les peines et les peurs, peut-être trouveras-tu les mots au-delà des fourbes apparences, derrière nos lourdes circonstances, sous nos masques cousus d'espérance, se cachent les fêlures de l'enfance. S'en aller tout là-haut, pour mieux s'imprégner des couleurs, saurions-nous faire taire notre ego. Oh, à démêler le vrai du faux, à chercher en nous le meilleur, libre comme le cœur des oiseaux. J'ai déjà fini un godet, j'ai déjà fait à peu près, ouais, je sais pas. Sachant que là j'ai fait qu'un seul côté, l'autre est pas fait, c'est qu'il faut en mettre beaucoup. Par exemple, là j'en ai mis une bonne épaisseur, c'est ce qu'il faut mettre. Enfin, après, c'est. C'est ma mère qui donne les ordres, moi je respecte, sinon après je me prends une baigne. Et le truc qui est chiant aussi, c'est qu'il y a du vent. Donc par exemple, là quand j'avais levé un peu la fourche, il y avait plein de paille qui tombait avec le vent. Puis là après, sur le côté là, il y a plein de paille vu que bah, c'est parti avec le vent. Peur aux génisses. En
fait, le problème, c'est qu'avec le vent, ça me dégage pas mal de paille et j'en fous partout. Donc je roule pas trop vite, histoire de pas encore en rajouter pour en foutre encore partout. Ah. Là, il y a le barreau qui fait que de s'ouvrir, donc je peux pas venir trop coller, c'est chiant. Je vais peut-être encore faire quelques plans, puis après je vais continuer de mon côté parce que j'ai plus que 33% de batterie. Alors que pourtant je suis pas en 4K, j'ai pas mis ma stabilisation. Oh, c'est GoPro, hein, c'est GoPro, on a l'habitude les batteries qui durent pas. Après que je m'en rachète une pour cet été de batterie, pour faire les fonds, parce que si ça dure aussi peu longtemps, je vais pas avoir beaucoup de contenu. Donc je vais continuer de pailler le reste des framboisiers et puis je vous filmerai un coup quand ce sera fini. Voilà. My mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it in a sense, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Bon là j'ai arrêté de pailler. Il me reste environ un petit tiers de la rangée. Enfin un petit tiers de la moitié de la rangée. Le truc là c'est que il est midi 20, je vais aller manger. Et mon père m'a dit d'aller ranger le tracteur et je continuerai un jour où j'aurai le temps. Il a fermé la porte. Je vais remettre la fourche ici. Il y a un truc qui brille là-bas, je sais pas ce que c'est. Vladimir Poutine compare la Seconde Guerre mondiale et le conflit en Ukraine comme en 1945 la victoire. Bon, j'explique. En gros, mon père vient de m'appeler parce que là où dort le chien, enfin le deuxième chien, il y a des chats qui sont en train de manger les croquettes. Donc je prends une gamelle et puis on va leur donner des vraies croquettes de chat et pas des croquettes de chien. Là, avant de rentrer les vaches, on va nettoyer. Donc on passe au nettoyeur là. Il fait tout le tour de l'écurie. Et en fait, il passe puis on charge toute la merde qu'il y a dedans. Hop, pour les petits chats. Alors ça, c'est des chatons. Leur mère les a emmenés au hangar où on stocke le foin. Elle les a ramenés ici, je pense, dans la journée ou cette nuit. Et comme il reste quelques croquettes de la chienne qu'on laisse dormir là, et ben elles sont en train de manger tranquille. Oh, lui il est trop occupé à manger. Soit il est trop occupé à manger, soit il a les yeux collés. Non. Bon, bah je vais essayer. Les autres sont peut-être trop peur. On va nettoyer d'abord.
soirée. Allez. Donc là on a rentré les vaches, ça a été plus merdique que d'habitude parce qu'il y en a plein qui voulaient pas aller à leur place. C'était un peu compliqué. Et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va préparer tout ce qui est pour nettoyer les vaches et ensuite on va les traire. Donc en gros les machines qui nous permettent de traire, on appelle ça des griffes. Que vous avez vu, les petits manchons comme ça, ça permet de se mettre dans les épis et ensuite de les traire. On a une machine à traire au-dessus, une machine qui aspire. Et en fait on branche ça, bon là c'est pas, c'est un bout pour aller avec le pot là-bas, c'est un truc indépendant. Mais en gros on a des griffes, on a ça dessus, on a des tubes. Et parmi les tubes qui reviennent là de l'écurie, il y en a qui aspirent. Et on a un autre qui ramène le lait. Donc ça aspire, ça ramène le lait. Et ensuite, à partir d'une certaine période, quand ça arrive à une certaine sonde, c'est réaspiré, comme par exemple là. Ça passe en tout tube ici, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, ça arrive dans ce qu'on appelle le tank à lait. C'est là qu'on met le lait. Donc on le fait le matin et le soir. Donc on le remplit en une journée. Et ensuite, le soir, on a le camion du lait qui vient chercher le lait. Donc aujourd'hui, bon, comme c'est le soir, c'est déjà bien rempli, hein, comme vous pouvez le voir. Et juste ici, on a un moteur qui tourne pour éviter que le lait stagne. Donc toutes les 30 minutes, je crois, une certaine période, ça s'active, ça fait tourner le lait à l'intérieur pour pas qu'il stagne. Voilà. Donc ça, là, c'est un petit moteur qui permet, comme le nom l'indique, de faire des pulsations. C'est ce qui crée ces petits mouvements que vous pouvez voir. On voit pas super bien, mais ça crée des petites pulsations qui permettent d'aspirer le lait. Donc ça appuie sur le pied et ensuite le lait descend, donc ça aspire puis ensuite ça arrive dans ces tuyaux là. Bon alors là je vais m'occuper de préparer les seaux de granulés. C'est des seaux qu'on donne à la fin de la traite, qui permet de leur complémenter un peu le repas, etc. Donc maintenant, vu qu'on commence un peu à les lâcher en pâture, d'ici une semaine, on les laissera même la nuit dehors. On va donner de moins en moins de ça, mais pour l'instant, on leur en donne encore. Donc là, par exemple, on a de l'aplati, donc c'est un mélange
Il y a du maïs, il doit y avoir de l'orge, du blé, des trucs comme ça. Là, si je me trompe pas, ça doit être du tourteau. Et là, je ne sais plus parce que je... Donc, je vais préparer ça. Donc, j'ai 3 sauts d'aplatir à faire et 1 saut de chaque. Et peut-être aussi donner du sel. Du sel. Parce que je me suis trompé, du coup. Là, je suis en train de ramener une griffe. Donc, c'est ce qu'on appelle une griffe. Nous, je sais pas si c'est un autre nom, j'en sais rien. Donc, on va les laver en gros à l'extérieur. Ensuite, on va faire un rinçage complet. Donc, en fait, on va les mettre là. Il va y avoir de l'eau, ça va aspirer, puis ça va tout nettoyer le système. Et ensuite, elles seront prêtes pour demain. Donc, on les rince pas. Avant, on les rinçait tous les jours. Maintenant, avant toute traite, maintenant on les lave plus avant toute traite parce que c'est pas super bon sinon le fromage, le comté il est pas assez enrichi vu que nous on fait du comté en fait majoritairement, du comté, du beurre, tout ça. Donc en gros, là on branche, là c'est branché donc il y a là les vaches, machin, etc. Ça aspire par là. Avec le moteur, ça fait du système de filtration. J'essaye de vous expliquer un maximum mais... C'est que pendant un moment j'ai pas traîné ici. Puis en même temps là il y a beaucoup de trucs qui font que je peux pas trop venir. Donc j'essaie de vous expliquer avec ce que je sais, avec mes connaissances, mais ça se peut que je dise un peu des conneries parfois, donc mon excuse. Voilà. Casse-toi, sinon je te tue. Mon père m'a suggéré de mettre la GoPro là où il y a les petits chatons. Ah, il y en a un qui me regarde qui m'aime pas trop. Donc c'est ce que je vais faire, je vais m'en demander super view et je vais le poser. Mais quand t'as failli l'attacher, mais on dirait qu'il manquait un bordel. Ah bah ça, voilà. Mais c'est toi. Et moi j'ai trouvé, mais je leur fais peur, seulement je vais faire ça. Donc. Irrésistible, ces petites bouffouilles. Toutes douces. T'es toutes douces. Oh. Oh. T'as des tics. Je vous fais la outro maintenant.
parce qu'il me reste 11% de batterie. En gros, c'est la fin de ce vlog, voilà. Alors on a fait pas grand chose, hein, on a juste paillé des framboisiers, enfin j'ai paillé des framboisiers. Et je vous ai montré une partie de la traite, parce que je voulais observer les chatons comme mon père m'avait proposé. Sauf qu'en fait, j'ai pas pu vous filmer le moment où donner à boire aux veaux. Mais je vais vous en filmer un bout. J'espère que ce vlog vous a plu, ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait un. Puis les autres c'était pas tellement des vlogs, parce que c'était juste pendant, je filmais pendant une après-midi un truc. Je faisais un montage vite fait et ensuite je le mettais sur YouTube. Là je vais essayer de faire des trucs un peu plus travaillés. Donc voilà, et je vais essayer de faire des vlogs comme ça. J'espère que tout ça vous a plu et on se retrouve pour un prochain vlog. Voilà, c'était Jonathan sur le vlog numéro 4 et voilà.